Salut les gens de l'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dynasty MC. Je suis très content de vous amener cette vidéo là aujourd'hui les amis, parce que c'est une grosse mise à jour qu'il y a eu sur Dynasty MC. Quand je parle de grosse mise à jour, c'est surtout une mise à jour au niveau gameplay et surtout pour encourager le farm to win. Donc je vais tout vous montrer ça. Il y a encore quelques petits soucis. Moi je dois juste partir en ce moment voir, j'ai un rendez-vous ce soir avec une fille. Et puis Dreamzy et Dynasty vont continuer à travailler jusqu'à temps que ça soit terminé. Si c'est pas terminé, ça va être terminé dimanche. Donc dimanche alors que vous voyez cette vidéo là, tout devrait être terminé normalement. Donc si c'est pas montré en ce moment, c'est pas terminé, je vais juste vous montrer ou vous le dire, et puis ça va être prêt demain, inquiétez-vous pas. C'est juste que moi je suis occupé ce soir, vous voyez ce que je veux dire, ça va goûter de la chatte. Bon bref, c'est une blague bien sûr. Donc aujourd'hui les amis, il y a une grosse mise à jour qui s'est passée sur Dynasty MC, donc j'ai quelques petites choses à vous parler. Donc premièrement, on recrute du staff, donc il y a un recrutement guide sur le forum. Je pense que c'est Dynasty qui va faire un post là-dessus. Allez voir sur le forum, vraiment important si vous voulez être recruté guide. On va recruter 2-3 guides dans ces alentours là. La Lucky Box les amis, elle va être modifiée demain. Donc ça c'est une grosse nouveauté aussi, parce que la Lucky Box les amis, vous allez avoir une clé gratuite toutes les 7 jours. Donc un peu comme à iFaction, qu'est-ce qu'on avait fait? En gros, chaque 7 jours, vous allez pouvoir vous connecter. Chaque semaine, vous allez avoir une clé gratuite pour ouvrir la Mystery Box. Qu'est-ce que vous allez pouvoir gagner dans la nouvelle Mystery Box? C'est 2000$ en argent, Diamond, Nippon Diamant, Sharpness 5, Looting 1, Nippon Emerald, Sharpness 4, un Full P4 Emerald, Full P4 Diamant, un Kit XP une fois, Kit Raid une fois, Kit Protection une fois, 10 Hoopers, 5 Les Mystères rares, qui ça va être quand même assez rare, 3 Pump Cheat, Kit Bull une fois, Kit Minerai une fois, Grade Légataire 2 semaines, 16 diamants, 16 émeraudes et une Paxel Effi 5. Donc ça va être le nouveau truc dans la boîte Mystiqueur. Et il y aura bien entendu le coffre KOTH qui va être toujours là quand vous gagnez un KOTH. Il y aura un nouveau KOTH dans l'aide normalement aussi. Donc il y aura la clé 7 jours, je vous ai parlé de ça. En parlant aussi des kits, il y a les kits qui doivent être quelque part ici, je crois que c'est là, ouais. Donc il y a un kit mage, quand vous allez vous connecter au serveur, pour si vous êtes nouveau, si vous jouez avant, vous vous reconnectez au serveur, et boum, vous allez avoir un kit mage qui est un full P1 Emerald avec 16 underperles, 64 obsidiennes, 2 stacks de trucs, des trucs pour farmer si vous êtes nouveau, et une golden et de la bouffe quoi en gros. Donc ça c'est le kit pour le kit mage. Donc voilà, il est disponible une fois seulement, donc une fois tous les 7 jours. Ensuite le kit bull, on a ajouté un kit bull sur la boutique qui a des rabais en ce moment d'ailleurs. Justement on a UTMC, je pense qu'il a dit qu'il allait faire des rabais, je crois ici. Je sais pas trop ce qu'il disait, mais en gros, ouais, en gros, il y a des rabais sur la boutique. Donc le kit build et minerais sont rajoutés. Aussi dans le slap shop. Des gros changements dans le slap shop, les amis. Il y a maintenant il y a beaucoup plus d'options. En gros, vous pouvez acheter beaucoup plus de trucs rapidement. Donc en faisant slap shop. Là en ce moment, il y a un petit bug avec le slap shop. Donc je peux pas vous le montrer. Je pense que ça va me faire kick si je fais slap shop. Mais ouais, en gros, vous avez plus d'items dans haute. Les spawners ont changé de prix. Et dans les kits, il y a le kit build et le kit minerais qui sont rajoutés. Donc voilà. Là, c'est les kits bien sûr à vie comme d'habitude. Vous avez aussi le warp info qui a été changé. Donc vous avez un warp info maintenant avec bon, les têtes des trucs fondateurs ici, moi admin. Ensuite les informations et tout. Donc vous pouvez venir ici, vous allez avoir toutes les informations sur les minerais. Il y a 2 minerais sur le serveur. Et le dynastite qui permet de créer une épée qui est gagnée absolument dans les KOTH. Je crois ça. Il n'est pas minable du tout, juste KOTH. Et aux events. Ensuite la clé 7 jours disponible, et puis la Seal Touch spawner qui récupère les spawners à la Seal Touch. Donc voilà, c'est quand même deux trucs. J'ai juste mis ces deux trucs là ici, c'est moi qui l'a construit comme vous pouvez témoigner. C'est tout le temps mon style de build, moi je build tout le temps dans le même style. Donc en gros avec les 7 jours et la pioche qui récupère, c'est juste tous les spawners sont récupérables tant qu'il y a Seal Touch sur ta pioche. Bien sûr si tu mets une hache sur Seal Touch ça va pas marcher, mais bon voilà. Ensuite, c'est quoi que je vais vous montrer? Il y a aussi un HDV, donc un hôtel de vente qui va être disponible au shop. Je sais pas de quel côté qui va être, on n'a pas encore décidé. Mais il y aura ça qui va être mis en place. Il y aura aussi le KOTH dans l'end. Donc je vais aller dans l'end, je vais vous montrer vite fait où ce qui va être situé. Je vais vous montrer ça maintenant. Donc Warp End, vous allez devoir descendre, je crois que c'est ici qui est. Bon, speed 3. Je pense qu'il est ici, ouais, il est ici le KOTH, donc il va être ici, donc sur un île, ça va être assez chaud de survivre, etc. Le but c'est que ça soit un KOTH difficile, il faudra monter en haut, enfin il va être modifié, inquiétez-vous pas, mais en gros la zone de capture va être dans les airs. Puis il est pas encore terminé, c'est pour ça que je vous ai dit, mais en gros ouais, il va avoir une plus grosse plateforme, mais en gros ça va être sur un île, et ça va être quand même assez chaud, il faudra amener des underperles, il va falloir perles un peu partout, donc c'est quand même assez cool je trouve, parce que ça va être fun. Un KOTH un peu différent des autres, et puis voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'oublie sûrement des trucs vite fait les amis, mais en gros voilà, il y en a quand même... Oh, il y a un giveaway aussi aujourd'hui, le Dynasty
à quelle heure le Gival. Juste pour pas que j'oublie. 16h, ok. Donc à 16h il y a un giveaway les amis, aujourd'hui dimanche 24 avril 2019. Je rigole, on est en 2016 je crois, je suis pas sûr, ou 2017, je sais plus. On est en quelle année? Je sais pas, wesh! Donc voilà, je suis plutôt excité de cette nouvelle mise à jour parce que j'ai beaucoup travaillé dessus les amis. On va encore amener des trucs dans le futur sur Dynasty MC. Jusque là en ce moment, je trouve que c'était un bon moment pour vous sortir ce genre de mise à jour comme ça. Ça change beaucoup l'économie aussi au Warp Shop qui a changé. Donc ça change beaucoup sur l'économie vu que le Slash Shop, le Slash Shop il a beaucoup changé, les prix ont descendu pour presque tout. Même chose pour le Shop, les prix ont quand même été modifiés. Donc beaucoup plus simple maintenant de farmer, etc. Comme vous pouvez voir. Les prix ont changé. Voilà, c'est plus cool. Aussi, vous pouvez aussi maintenant acheter des poissons comme pour de la bouffe si vous en avez besoin. Vous avez encore tous les ingrédients en potion ici. Vous avez aussi beaucoup de gens qui demandaient les œufs d'araignée. J'ai rajouté les œufs d'araignée au shop ici. Et c'est pas mal tout ce qu'on a rajouté. Qu'est-ce qu'on a rajouté d'autre vite fait comme ça? J'arrive pas à me rappeler, mais je pense que c'est pas mal ça. On a modifié les petits trucs ici. Le warp info. C'est pas mal tout les amis, le Warp Shop, on y est. C'est pas mal ça, des nouveaux kits, le HDV qui va être disponible bientôt, etc. Et le recrutement kit. C'est vraiment juste ce que j'avais besoin à vous dire aujourd'hui, les amis. Je suis très 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 content parce que ben ça monte. Je monte mon implication encore dans le serveur. J'aimerais, dans les commentaires, les amis, vos idées. On a déjà une idée qui a été proposée par Fastkill que je pense qu'on va suivre. Je vous l'explique si je vous explique celle-ci dans une prochaine vidéo, mais ouais, c'est vraiment, proposez vos idées les amis, le serveur il est fait pour vous, et c'est vraiment le but, c'est que ça vous plaise. Donc si vous me dites dans les commentaires, exemple, je sais pas moi, que vous aimeriez ça, je sais pas moi, je vous donne un exemple, un nouveau kit, ou quelque chose qui, même quelque chose de random, vous voulez juste un nouveau spawn, ou quelque chose, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Mais inquiétez-vous pas, on va aménager le spawn, on va mettre des holographiques, on va vraiment aménager ici, puisque c'est pas mal vide, il y aura sûrement le HDV qui va être pas loin, plein de trucs comme ça les amis, et j'espère sincèrement que ça va vous faire plaisir parce que bon, Dynasty pas qui est en train de mourir, mais un peu quand même avec la sortie d'Opsifight et des autres serveurs, Dynasty a un peu coulé et puis ben on est là pour le remonter. Et puis c'est vraiment un des seuls serveurs farm to win, mais vraiment farm to win que y a pas. Vous pouvez même acheter les grades en jeu les amis là, je veux dire, vous avez juste à farmer les grades et puis vous allez pouvoir les acheter so, une semaine, deux semaines, bon ils sont pas à vie, mais bon, vous pouvez, si vous farmez durant cette semaine là, vous allez pouvoir quand même tout le temps l'avoir à vie juste en farmant sur le serveur. Donc venez juste jouer les amis, venez vous amuser, ça va me faire extrêmement plaisir. Comme j'ai dit, il y aurait des recrutements guides, donc si vous avez de l'expérience en tant que guide, en tant que staff ou whatever, je sais pas qu'est-ce qu'ils recrutent exactement, c'est Dynasty qui s'occupe de ça, mais en gros c'est des sûrement des guides, parce que vous commencez guide, ensuite vous montez mode joueur, ensuite modérateur, ensuite administrateur, ensuite fondateur, ensuite propriétaire. Je sais pas en fait comment ça monte dans le truc, mais bon voilà, t'as compris. Donc ensuite dans le Slash Up, il y a aussi les spawners qui ont changé. Donc oh, il marche, il a réparé une RNG, super. Donc zombies, squeletton, les prix ont changé comme vous pouvez voir. Pig zombie, Iron Golem 20 000 maintenant, vache, blaze qui ont descendu aussi. Ensuite vous pouvez aller dans le Slash Shop. Autre, vous êtes... Oh, ok. Ça a leur bug. Lolerip. Donc, il marche parfois. Il y a encore un bug dans le celui du truc. Donc, mon mot de passe, il était quand même assez long, comme vous avez pu témoigner. Donc, voilà. C'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire. Je crois que j'ai rien oublié. Si j'oublie quelque chose, les amis... Je vais le mettre en description ou en commentaire. Ça me fera un énorme plaisir, les amis, que vous téléchargez le launcher Dynasty et que vous venez faire un petit tour pour le giveaway à 16h, les amis. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Un gros merci d'avoir écouté la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, la partager à vos amis sur Twitter, sur Facebook, sur Skype pour avertir tout le monde du giveaway qu'il y aura à 16h. Donc voilà, c'est Icons et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.